Donc, rebonjour à toutes et à tous. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que vient faire mon intervention au milieu d'interventions hautement techniques et qui concernent des collectivités de grande taille, voire de très grande taille, puisque moi je ne représente qu'une toute petite ville de 11 000 habitants, tout près d'Avignon. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne parlerai pas technique, parce que j'en serais bien incapable. Toutefois, je veux vous rassurer, comme tout le monde, j'ai un ordinateur sur mon bureau, j'ai un smartphone dans ma poche et j'ai une tablette dans ma serviette, quand même. Par ailleurs, les images qui vont défiler, ça n'est surtout pas des programmes, des courbes, des renseignements divers. Ce sont simplement des vues de ma ville. Alors avec peut-être le secret espoir que quelques-uns parmi vous viendront faire un petit tour à Vedaine à l'issue de ce congrès, ou plus tard d'ailleurs. Ils seront les bienvenus. Alors, beaucoup plus sérieusement, c'est de l'approche de la vision et de la connaissance d'un élu par rapport à la Dulacte dont je voudrais vous entretenir. Comment un élu peut-il connaître la Dulacte? Difficile de répondre à cette question, et je suis certain que si l'on pouvait, grâce à la technique, interroger l'ensemble de nos élus, je crois que 90% diraient qu'est-ce que c'est la Dulacte. D'ailleurs, j'ai fait le test à de nombreuses occasions, parce que je suis aussi vice-président de la communauté du Grand Avignon, et je dois dire que les élus que j'y fréquente, comme on dit en Provence, qu'est-ce la Dulacte. Alors, évidemment, comment faire appel à ces services? Comment participer à la vie de cette association? Comment la faire évoluer? Ça pose pas mal de problèmes. Personnellement, j'en ignorais totalement l'existence, de même que j'ignorais l'existence aussi des open source ou du libre. Si la seule information que j'avais eue, ayant l'occasion de travailler très fréquemment avec ce qu'on appelait autrefois les directions régionales de l'équipement, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle maintenant les DREAL, il y a un certain nombre d'années, j'ai découvert tout à fait par hasard que tout avait basculé et que tous les postes de travail étaient passés donc en libre, ce qui avait posé quelques petits problèmes au départ, notamment des problèmes d'accoutumance pour le personnel, des problèmes de formation, et puis actuellement tout ça se passe très bien, donc c'est la totalité du ministère qui avait basculé ces services. Donc, je n'avais pas, absolument pas pris la mesure du logiciel libre. Et évidemment, à plus forte raison, je ne connaissais pas la définition qu'en avait fait Richard Stallman. Et j'ignorais tout de cette mise en commun d'idées, d'expériences, de travaux pour en arriver aux offres d'aujourd'hui que je découvre avec beaucoup d'intérêt. Même si je dois le dire, en toute honnêteté, il y a beaucoup de noms qui ne représentent pas grand-chose pour moi. Pour un élu, les enjeux d'indépendance, les économies associées, ne peuvent absolument pas laisser indifférents, surtout à l'heure actuelle. Alors, se libérer du poids des systèmes prioritaires, bénéficier de la mutualisation et du développement ne peut nous laisser indifférents. Et le souci constant de la bonne utilisation de l'argent public dont nous sommes comptables, la gestion rigoureuse imposée par les contraintes budgétaires, et là je m'adresse plus particulièrement aux élus, ils sauront de quoi je parle, et qui vont devenir de plus en plus difficiles, ne peuvent en effet, pour un élu, que plaider pour l'utilisation du libre. Pour ma ville, alors là, tout à fait modestement,
Cette politique a commencé à se traduire par une aide de la DULACT dans notre démarche de dématérialisation grâce à la plateforme SLO pour les envois contrôle de légalité, les marchés publics et bientôt la gestion des délibérations, Open Result, sert à renseigner et animer les soirées électorales. On parlait de résultats tout à l'heure, voilà quels sont les résultats qui sont affichés. Donnant une information immédiate, tant en mairie que sur notre site, ou encore Xibo pour nos affichages numériques. Alors, plus généralement, cette adhésion a permis un changement de vision, une sensibilisation en interne, qui permettra, j'espère, sans précipitation, mais avec l'adhésion du plus grand nombre, et quand je dis du plus grand nombre, je pense aux élus et aux fonctionnaires territoriaux, de généraliser peu à peu l'utilisation de logiciels libres partout où cela sera possible. D'ailleurs, le premier serveur Linux Red Hat vient de faire son entrée chez nous la semaine dernière, vous voyez, c'est tout récent. C'est la matérialisation initiale d'un processus qui, j'espère, par étapes, se déroulera sur 5 ans. Alors, par rapport à la DULACT, malheureusement, nous n'avons pu nous investir. Non, là, je devrais rétablir la vérité. Notre informaticien n'a pas pu jusqu'à présent s'investir comme il l'aurait souhaité, je regarde le président, dans les groupes de travail, parce que, justement, il est pris par ces modifications, ces changements, mais j'espère que d'ici peu, il pourra à nouveau participer et apporter sa contribution donc à l'œuvre collective. Alors, à ce moment de mon propos, une question vient naturellement à l'esprit. Combien avons-nous d'adhérents ? De collectivités adhérentes, je crois que le nombre est presque ridiculement petit par rapport au nombre de collectivités existant en France. Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une méconnaissance totale de l'existence de la DULACT et parfois, il faut le dire, un certain ostracisme à son égard. Certains sont encore, je pense, plus parmi les fonctionnaires que les élus. Certains sont encore attachés au logiciel avec licence, parce qu'ils ont l'impression que là, il y a la sûreté, ça marche, donc pourquoi aller chercher ailleurs ? Je pense que c'est un problème sur lequel il faudra se pencher. Et puis ensuite, la DULACT, je pense, manque d'image, a une absence d'image, manque d'information. Il faudra donc, là aussi, je crois, que les élus, les techniciens membres de la DULACT fassent un effort particulier vers les collectivités qui ignorent encore ces services. Donc je pense que c'est à nous tous de faire un effort dans ce sens. Alors, le maire ou le président, mais peut-être encore mieux l'élu théoriquement concerné et le DG doivent être nos cibles privilégiées à l'occasion de rencontres diverses. Et si chacun de nous arrivait à persuader 2-3 collectivités supplémentaires, vous voyez que quelle force pourrait avoir la DULACT actuellement. Ceci dit, je pense que l'avenir de la DULACT me paraît tout à fait tracé. Il existe désormais d'autres possibilités d'indépendance et d'économie que l'informatique adossée à des licences, et tout ce que nous avons entendu ce matin le prouve. Toutes les exigences posées aux collectivités, quelle qu'en soit la taille, sont identiques. Bien sûr, il faut tenir compte de leur taille, et chez nous, le logiciel libre porté par la DULACT devrait permettre à terme une mutualisation
qu'il convient de préparer plutôt que de subir. Alors, permettez-moi d'émettre un souhait. Pourquoi la DULAC n'impulserait-elle pas la création de solutions de sécurité pour une meilleure indépendance ? Il m'a été dit, sous réserve, mais je pense quand même que le renseignement est exact, tous les antivirus existants actuellement, de tous les antivirus existants, aucun n'est français. Ce qui veut dire que pour ceux qui utilisent des logiciels sous licence, nous remettons notre sécurité entre les mains de gens qui n'ont peut-être pas toujours le même partage de valeurs que les nôtres. Alors peut-être là, y a-t-il une piste à explorer. Je rappellerai ici le premier contact que j'ai eu avec la DULAC. C'était en 2008 à Marseille, et Pascal doit s'en souvenir. C'était une réunion de travail, je crois, à l'occasion des Tours de France qui étaient faits par la DULAC à l'époque. Et il m'avait demandé ma position vis-à-vis de l'association. Alors, outre l'intérêt porté au logiciel libre, j'avais indiqué que mon attente se situait sur trois plans, et cette réflexion est toujours valable. Premièrement, la fiabilité et l'interopérabilité des systèmes proposés. Deuxièmement, la simplification et le gain de confort pour nos agents chargés d'exploiter ces systèmes, parce que j'ai entendu parler depuis hier de systèmes d'exploitation, on a rarement évoqué l'agent qui, lui, est derrière le clavier et qui est chargé de faire tourner le système. Donc, si on lui simplifie la tâche et si on lui apporte un peu plus de confort dans la réalisation de celle-ci, je pense que tout le monde aura à y gagner. Cette réflexion vient du fait que je suis aussi responsable de ressources humaines, donc ça peut être une partie de management. Et enfin, troisièmement, eh bien là, mon autre casquette de financier, c'est l'économie réalisée par rapport aux systèmes commerciaux. Il est évident que dans la situation où nous sommes, et je l'invoquais tout à l'heure, on ne peut pas rester indifférent à des économies purement financières. Je dois dire, au travers de tout ce que j'ai entendu, c'est que ces trois points sont en grande partie atteints déjà, mais je crois qu'il y a du travail à faire encore. Alors, nous sommes réunis à l'occasion du 10e anniversaire de la DULAC. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques surprises tout à l'heure à cette occasion. Moi, j'en profiterai simplement, d'une part, pour souhaiter bon anniversaire à tous les membres de la DULAC, les féliciter pour tout le chemin parcouru, et Dieu sait s'il est grand. Et puis, dans ces occasions-là, on peut formuler un vœu. Alors, je vais en formuler un, j'espère que vous le partagerez. J'ai entendu, et tout à l'heure nous en aurons d'autres, des remarquables exposés sur les expériences de chacun dans sa collectivité. Je formule le vœu que la DULAC reste le lieu privilégié où toutes ces expérimentations se regroupent. Et en même temps, je formule le vœu que la DULAC soit le point de départ de la diffusion de ces expérimentations vers, allez, disons-le, vers l'ensemble des collectivités du territoire. Voilà le vœu que je vous présente, Monsieur le Président, et je vous remercie de votre attention. Je crois que vous avez une petite question. Ah. C'est quoi ? Pas d'ordre technique, je suppose. Ah, c'est une très bonne question. En tant qu'élu, quand pensez-vous signer électroniquement certains documents ? Le plus tôt possible. Parce que j'ai fait une découverte, c'est que par exemple, en ressources humaines, chaque fois qu'un arrêté est pris pour la moindre petite modification dans le statut d'un agent,
Il y a un arrêté qui est pris en 4 exemplaires. Donc, 4 signatures pour un agent. Lorsqu'en fin d'année, on modifie le régime indemnitaire, par exemple, s'il y a 300 agents, vous voyez le nombre de signatures que ça peut donner. Donc là, je dis le plus tôt possible. Merci beaucoup.